est en troisième ligne et Fernandez Sobé qui est en numéro 8. Sans doute qu'on varie selon la volonté de produire du jeu et de sortir les balles rapidement ou alors de garder comme c'était le cas ici côté Toulon. Fernandez Sobé qui est en numéro 8. Placé souvent à Toulon, en position de troisième ligne comme Van Vicker d'ailleurs. Durant, ballon toulonnais avec la charge de l'anglais Simon Chou, champion du monde 2003 avec Wilkinson. Durant, Orioli pour Kubriashvili, le pilier géorgien qui est aidé par Sheridan. Avant de gagner le ballon perdu, récupération de Guirado pour Perpignan. Mêlé, Guiri contré par Durand, récupération de Nicolas Durand. Dans les bras de Simon Chou, ça récupère encore cette fois. C'est Chalewachu. Deux turnovers dans la même action. Mêlée pour Gavignou. Peut-être bon ballon sur les extérieurs, mais Marty va jouer long au pied dans les 22 Toulonnais. Alors accompagné par David Smith. La politesse pour Armitage et c'est l'anglais. Se charge de dégager le camp Toulonnais dans les bras de Michel. Geoffrey Michel, Mêlée. Gavin Youm, lancé, bien plaqué par Sheridan. Très belle ligne de course de Youm, alors qu'il y avait davantage de Toulonnais que de Catalans pour attaquer. Alors, va-t-on voir aussi un jaune, un carton jaune Thierry. Contre les Toulonnais. Thierry. Alors, monsieur Poit, est-ce que le quatrième arbitre. Je préviens la sécurité du stade, il y a eu un laser sur le ballon et un laser dans mes yeux là vert. Si je reçois un autre laser, j'arrête le match. Monsieur Poit, ce qui est, c'est toujours très clair. C'est effectivement, c'est clair, c'est net et on sait où on va avec lui. Alors on dira que le rugby club toulonnais a prévu des festivités d'après-match avec des lasers, mais je pense que c'est pas les mêmes. Donc la sécurité du stade va avoir des. Voilà, va avoir du boulot pour aller chercher le fautif. Suffirait à ennuyer, pour ne pas dire plus, des milliers de spectateurs et des centaines de milliers de téléspectateurs. Alors, Hook sorti, le buteur catalan, c'est David Mêlé. David Mêlé, c'est pas c'est porté. Laser encore. Ce genre de choses. J'ai l'impression que le public de Mayol va faire lui-même la police. Ah non, mais il a le laser dans les yeux, bah c'est comme vous voulez. Oui. Si vous voulez, si vous laissez passer le pas, il n'y a pas de problème. David Mêlé visé. D'abord, c'est dangereux, tout fois, simplement pour définitif. Les yeux. La prochaine fois, c'est arrêt définitif. Car il menace, il a encore l'arme atomique, monsieur Poit. Et Marc Delfoux, en plaisantant, réclamait 10 mètres de plus. Pour la tentative de pénalité. C'était bien tenté, et puis il offre, dans la porte quand même inquiet, il offre une minute supplémentaire à David Mêlé pour se préparer, se concentrer. Dernière minute de cette première période, l'occasion offerte au demi de mêlée de l'USAP de réduire le score. Il avait donné la victoire il y a 3 ans à Perpignan sur cette pelouse de Mayol par un drop dans les dernières secondes. David Mêlé, excellent buteur aussi, et cette pénalité va passer entre les perches, ramenant Perpignan à 5 petits points de Toulon, Toulon 15, Perpignan 10. Sirène et Monsieur Poit devaient dire en profiter pour laisser le temps à la maréchaussée d'aller chasser le laser. Fin de cette première période, Toulon 15, Perpignan 10. Et le président Bougelin sera le premier à rentrer au vestiaire. Avec David Marty, David, un très bon début de match, vous avez commencé à subir, mais là vous restez quand même au contact. Hein. Oui, on est au contact, je crois que on est venu ici pour vous montrer que pour l'USAP c'est ça représente quelque chose. Encore, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas fini, il reste 40 minutes, je suis content de l'état d'esprit, de l'engagement des gars. Il va falloir continuer, on a pris un jaune en mêlée, on souffre un peu en mêlée. Voilà, et je pense qu'ils vont appuyer sur leur point fort. Il va falloir rester vigilant et surtout ensemble et rien lâcher. Merci David. Comme si l'envie d'exister dont parle David Marty passait par une grosse perf à Toulon ce soir.
Oui, mais c'est sans doute un véritable élément de réponse. Ils sont venus se tester dans l'engagement, se tester collectivement, pas forcément chercher un résultat, parce qu'on le sait, c'est compliqué de s'imposer ici. Mais pour le moment, sur la première période, il y a beaucoup de motifs de satisfaction, notamment cette entame de match. Voilà, François, voilà, messieurs. D'aucuns pensaient que ce serait moins serré. Et non, Toulon n'a que 5 points d'avance à la mi-temps. Eh oui, finalement, c'est bien dans le ton de notre journée Boxing Day sur Canal. Il y a eu un match très serré entre Castres et Toulouse, un match très débridé à Montpellier. Mais là, on a un peu la synthèse des deux, messieurs, pour l'instant. Ouais, c'est très intéressant. Et ce qui se passe avec une belle entame de Perpignan. Et puis après, quand même, on sent que les Toulonnais imposent leur puissance, notamment par le jeu auprès, le jeu d'avant, avant de lâcher les chevaux un petit peu sur la largeur. Mais les Toulonnais mettent les choses dans l'ordre et ils ont réussi à revenir au score par des pénalités. Et je ne doute pas qu'on va avoir des essais en seconde mi-temps. Est-ce que votre cœur catalan, Marc, y croit encore à... Oui, 15-10, rien n'est fait, même si c'est vrai qu'à l'exception de l'action qui a amené le premier essai catalan, les Catalans ont justement du mal à rentrer dans la défense toulonnaise. Ils ont trouvé des solutions par un jeu au pied de Hook sur le premier essai, mais après c'est compliqué. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que contrairement au début de saison, les Toulonnais ne rendent plus le ballon au pied. On les a vus contre-attaquer régulièrement et amener vraiment leur grosse densité athlétique, plus leur feu follet de derrière, et ils mettent à la faute régulièrement les Catalans ce soir. On va bien sûr y revenir dans cette mi-temps. Il y a plein de choses à vous montrer, surtout des petites surprises, comme un tchic-tchac, la séquence, la rubrique de Philippe Guillard avec un certain Sébastien Chabal. Voilà, pour le Boxing Day, Sébastien Chabal nous a fait l'amitié de faire un petit tchic-tchac, bien sûr, petite bande-annonce, et puis on vous passe tout ça juste après.